Well, what choice do we have? We have never paid out ransoms before. But I don't know. I don't like the feeling of this. What about you, Max? I don't know. I'm no expert on hostage negotiations. I know people who are, but they're in America. We don't have time for America. I know you're right, Marcelo. It's not like I don't have the money to pay. Father made a lot of money. We have always been targets. We all know that. But much as it pains me, I don't see we have a choice. Maybe after we pay, we find out who did it. We have them. But we all know what I'm saying. Who do you think is targeting your family? Haters. Who can say? Life in this country is not easy, you can see that. I have tried to do business the right way, but that's not always possible. Of course I made enemies, but I've also paid a lot of bribes. I have no idea. It's probably that street gang trying to get at me. I don't know. People I know have tried to reach out to this group. Comando Sombra. They're not from any of the favelas around here. They're linked to the drug business. Now, what have I got to do with drugs? Nothing. Everybody loves money. I just want my wife back. We can take the money to them. Sem fazer bagulho, sem fazer cagada, hein? Estou ali, pô! Ei, vocês aí, parado, filha da puta! Ei, vocês! Ele cama. Parado aí, parado! Parou aí, garoto de merda! Bota essa arma no chão! Hey, put the gun down, put down your gun. Bota essa arma no chão agora! Slow, slow, slow. Não faça nada, estúpido! Me mostre o dinheiro! What's he saying? Open the bag, show me it's full of money. Depressa, porra, depressa! Easy, pal, easy. Vem! Apparently, someone up in the nosebleeds didn't like the game we were playing. The money was gone, and I was next if I didn't get off that field. Eh bien, salut tout le monde, c'est Bleach, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3, donc le chapitre 3 de Max Payne 3, c'est bien parce que des 3. J'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va plutôt bien. Aujourd'hui, alors c'est un épisode, on va expliquer un peu ce que c'est. C'est un épisode que j'ai tourné déjà, mais j'ai eu un gros fail de tournage. Et j'ai en fait, sans faire exprès, j'ai supprimé la vidéo, enfin les vidéos tournées quoi, celle-ci, j'ai supprimé les morceaux. Et donc, il faut que je retourne. Donc c'est cet épisode est tourné après l'épisode 4 et 5 que j'ai déjà tourné. Entre-temps, j'ai terminé Max Payne. Je l'ai terminé hier. Nous sommes aujourd'hui le 7 juin, les autres je les ai filmés il y a 2-3 jours. J'ai terminé Max Payne. Donc si vous voyez des armes en or que vous n'avez pas vu et tout, enfin voilà. Vous n'avez pas vu que je vais récupérer les morceaux, c'est normal. J'ai déjà récupéré les morceaux dans une autre partie. Et d'ailleurs, sur ce truc, ouais, moi je suis à la recherche des morceaux en or. Aujourd'hui, on va rechercher... On doit rechercher le Barrett et le M10 en or. Si on arrive à les trouver, c'est beau. C'est beau. Je pense qu'il y en a un vers le début parce que j'ai vraiment mal en fait. Mais je pense qu'il y en a un pas loin. Et on va avancer et essayer de trouver. Pour le moment, je me suis pris une balle de Barrett dans le bras. Franchement, ça fait mal. Je vais essayer de trouver quelque chose. Dans les douches, souvent, ils aiment bien mettre dans les douches. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ils kiffent bien les douches. À moins qu'ils soient dans les chiottes. Non. Faut juste pas que je meure. N'écoutez pas ce qu'il dit, hein. J'essaie juste de voir s'il y a pas quelque chose. Je vais dire assez. Ah non, je vais aller de l'autre côté. Bon, tant pis. Si on a loupé un morceau, c'est pas grave.
On croit ça, je ferai ça plus tard. J'ai récupéré, je crois, la G6 commando, donc une espèce de U36. Le gros pompe, le M5, vous allez le voir de toute façon. Je sais pas, j'en ai eu deux ou trois d'autres aussi. Il y en a, il me manque quelques morceaux, genre le phare et tout. Enfin, pour le moment, vous allez pas voir. D'ailleurs, là, ça bug parce que normalement, je dois pas rentrer ici. Normalement, ça doit faire ça. Allez. Ce jeu est vraiment une belle histoire, mais c'est vrai que c'est chaud quand même l'histoire. Mais ça m'a fait plaisir de le finir hier, j'ai un peu joué beaucoup. 14 chapitres, je sais pas, j'ai dû mettre 5-6 heures. Je sais pas, peut-être plus. Vu que les chapitres sont quand même assez longs, je sais pas exactement combien j'ai mis. À part, il y a que le premier chapitre qui est court. Hein. Mais sinon, c'est pas mal. Donc on va aller chercher des soins pour mon bras. Et on va commencer à pouvoir un peu, entre parenthèses, jouer. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu chiant, mais bon, c'est vrai que pour moi, c'est la troisième fois que je le fais. Et c'est moyen. Troisième fois, surtout que c'est une mission assez longue et assez barbante, on va dire ça comme ça. Donc le refaire pour une troisième fois, ça m'embête un peu, alors que j'aurais pu vous faire un autre épisode sur un autre jeu. Mais bon, la vie est faite ainsi et on n'a pas le choix. C'est pas grave. On fera avec. Tombez au poussi. Faut pas t'achever. Who the hell you think that was? Tried to gate crash our little wine and cheese party. I have no idea. This is Sao Paulo, brother. Could be anyone. Anyone with access to high-powered sniper rifles and trained killers. That's pretty much everyone. Les prochains épisodes seront vachement mieux, vous verrez. Plus d'action et tout ça. Enfin, cet épisode est quand même rempli d'action, mais je préfère le Max Payne d'après. Vous verrez bien de toute façon. Le Max Payne de l'épisode 7 est énorme. Ouais, jusqu'à l'épisode 7 c'est bien, mais après au niveau de l'épisode 7 ça commence à devenir super sympa. Et là pour le moment vous allez, c'est simple, hein, vous allez voir plus tard, hein, c'est vachement plus compliqué. Hein. Donc, pour le moment c'est très très simple. Allez, c'est parti! Toi tu vas prendre un headshot, nickel. Bon, c'est vrai que c'est en difficulté la moins élevée. J'ai décidé de faire ça pour pas éviter de fail 45 fois. De toute façon, mon but c'est de vous faire découvrir le jeu, pas de vous faire une aventure hardcore, et de vous faire peut-être aimer. Voilà, un headshot, nickel. Bon, alors on va chercher, voir un peu. Y a pas des morceaux d'armes en or. Alors oui, c'est vrai que ça va être un peu chiant pour vous, certes, mais c'est nécessaire. Genre, je récupère des trucs, c'est logique. Donc là, y a rien. On doit aller par là-bas. Regardez ce pompe. Regardez, je vais le prendre et regardez. Il est en or. Et oui, il est en or. C'est parce que j'ai un peu joué avec. Alors, on va voir là un peu, je crois qu'il y en avait trop et une déjà ici de morceaux, de pièces. Enfin, un morceau, pas une, c'est un morceau. On va récupérer les balles de pompe, les balles de pistolet, il y en a un qui est mort là. Non, on n'a rien pu récupérer sur lui. On va aller identifier les traces de sang là-bas. Un indice. Un parmi tant d'autres. Il y a des missions, il y a des indices de partout. Voilà. Je sais pas si ça a vraiment marché. On va regarder, on va tomber dans tous les sens, vous allez voir, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que c'est rigolo. C'est long, mais c'est rigolo. On en a pas trouvé un, enfin j'en ai trouvé un sur 6. Donc c'est que j'ai dû louper quand même de nombreux endroits. Allez, c'est parti. On va continuer tranquillement. Alors, ici, je regarde un peu si. Bon, allez, c'est bon, on va pas s'embêter avec lui, c'est bon. Pour qu'il nous raconte sa vie. Voilà, de toute façon, il y a ses potes qui arrivent.
Alors, par contre, vous me contredirez peut-être, mais pour ceux qui savent, est-ce que les armes en or font plus de dégâts? Ou c'est juste full prestige pour faire joli? Moi je pense que c'est juste pour faire joli. Après bon, je me trompe peut-être, hein. Cherche aussi les indices. Une pièce en or, on va chercher un peu. Peut-être là derrière. Non, il n'y a rien. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, s'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Rangé dans le bureau, des fois il les range dans les putains de bureaux comme ça. Ils sont très forts pour les cacher. Non plus. Bon, c'est qu'il doit rien avoir ici, c'est pas grave. Allez, on est parti. Alors là, il y a un mec qui va sortir, hein, je l'ai mis déjà d'avance. Pa! Oh, je l'ai mis triple headshot après. Oh, magnifique. Magnifique! Allez, c'est bon, oui, c'est bon. Alors, il me semble-t-il, mais j'ai peut-être déjà récupéré qu'il y a une pièce en or dans celui-là. Non, j'ai des conneries, ouais, ça c'est bon pour moi. Je dis des grosses conneries, c'est pas grave. Dès qu'on trouvera une porte un peu bizarre, on ira. C'est vrai que dans les grandes salles, il faut chercher de partout. Si on veut vraiment avoir toutes les armes en or, il faut vraiment chercher de partout. Parce qu'il les cache vraiment dans les endroits les plus farfelus qui puissent exister. On va reprendre un peu de la vie. Et on va attendre la cinématique. Même pas, ah si. Si, je me disais bien qu'il y avait une cinématique ici. Ah ouais, ce fameux endroit, j'ai jamais cherché trop s'il y avait des choses à récupérer. Et j'ai commencé à chercher que dans l'épisode 5, 7 ou 8, alors c'est vrai que s'il y a des choses, je ne vais pas pu voir. Aïe, le pied. Enfin, la jambe. C'est mal. Et c'est les premiers mecs qu'on va voir avec des gilets pare-balles. Les mecs un peu chiants avec leurs gilets pare-balles. Bon, c'est vrai que vous allez remarquer dans tout le jeu, tous les Brésiliens et tout, combien de fois ils vont dire Filho del puta, donc fils de pute, mais ils vont dire, mais fou, des centaines de fois quoi. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Alors. Et là, bim, le coup de snipe, nickel. Bon, allez. Passos, il fait des conneries, Passos. C'est pas bien, Passos, ce que tu fais, c'est pas bien. On va prendre le pont. On va essayer d'éliminer rapidement celui de là-bas. Donc, je vous dis pas que. Ils vont pas être faciles, hein. Enfin, ils sont simples quand même. Regardez, boum, petit headshot. Boum, boum, boum. Boum, boum. Allez, meurs. Bordel. Non, mais. Après, ils sont pas extrêmement durs, hein. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu chiants. Oh merde, est-ce que j'aurais peut-être pas dû les tuer tous? Pour pouvoir chercher un peu, voir s'il y avait pas une pièce en or pas loin. C'est vrai que je suis un peu omnibulé par mes pièces en or, mais bon. Non. Moi, je veux chercher un peu de partout. Est-ce qu'il y aurait quelque part quelque chose d'intéressant? Ah! Une pièce de barrette. Vous voyez qu'il faut chercher? Vous voyez qu'il faut chercher? Et c'est toujours comme ça qu'on trouve des pièces. Ah, là, il y a un mur. Ah non, c'est une vitre. C'est-à-dire, il y a un mur invisible. Mais non, c'est juste une vitre, en fait. Vous voyez quand même jusqu'à où on peut aller? On peut découvrir là. Ben, on va découvrir sûrement un indice. Non, même pas. On va récupérer de la vie. Là, il y a rien. Là, il y a rien. J'ai jamais rien trouvé dans les chiottes. On a récupéré de la vie. Ça, c'est déjà bien. Pas grave, on cherche un peu, hein. On ne fait pas de mal, et là on va avancer. Allez hop. Je vais récupérer la MP5, mais juste voilà. Hein. Par prestige, y'a rien d'autre. This flapjack. This is high-end gear. These guys are seriously financed. Yeah, I noticed. I'll get you one for Christmas. Come on, let's keep moving. We've still got a sniper on us. J'essaie de faire cette vidéo quand même assez rapidement. Parce que c'est vrai que faudrait que je finisse avant midi.
Mais bon, voilà, là, la mission, on est qu'au début, quoi. Hein. On est vraiment qu'au début, il manque encore longtemps. Je pense qu'on est là encore pour 20 bonnes minutes, facile. Allez, cours, 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 vite de te faire tuer, c'est bon. Bon, on va pas s'emmerder, on va faire ce que je fais d'habitude. Du shoot talent. Là on fait shoot stodge. Enfin, ça c'est le pire, c'est dans la dernière mission. On va changer de côté hein, parce qu'avec la touche H on peut changer de côté. Je sais pas si vous le saviez, maintenant vous le savez. Maintenant je vous l'ai dit. Aïe. Il est là-haut. Alors c'est vrai qu'avec leur gilet par balle ils tombent, mais en fait on dirait qu'ils meurent. Mais en fait non. C'est ça le pire. Il faut leur mettre 250. Alors oui, vous allez voir des espèces de d'achèvements comme des succès dans ce jeu là. Vous allez voir des chiffres quand même aberrants, 10 000 balles, j'ai déjà tiré plus de 10 000 balles et tout. C'est juste parce que. Vous voyez dans le gilet pare-balles ça fait rien. C'est juste parce que moi voilà j'ai déjà vachement avancé dans ce jeu et rien de plus. Tiens, truc à récupérer là. Non, lève-toi. Ah, examine les traces de sang. Toutes des traces comme quoi le mec il est pas loin. Mais bon, voilà, les achievements, n'en tenez pas compte parce que c'est vrai que c'est vraiment des achievements que j'ai. Voilà, 250 par coup ou dans les parties, je sais pas où, vous avez pas vu, hein. Ça, c'est sûr et certain. Je peux vous garantir, hein. Entre l'épisode 1 et 2, vous n'avez pas vu la moitié. Hein. Mais bon, c'est normal. J'aurais dû garder le sniper. Et là, à droite, le mec qui est censé être là. Ouais, c'est ça. Aïe. Quintuple headshot. Énorme. Et là on a le Barrett M82. Alors c'est énorme comme arme quand même. Barrett M82 c'est gros calibre quoi, c'est du gros calibre. C'est pour ça que quand il a pris la balle dans le bras, c'est vrai que ça fait mal. Le problème c'est que là j'arrive sur un endroit où je vais avoir besoin de balles et j'en ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de balles alors je sais pas trop comment je vais faire. Je vais essayer de me débrouiller un peu comme je peux. On va essayer d'économiser au maximum en mettant des headshots. Bon c'est bien, monsieur Parsos m'a aidé. Oh regardez en bas à gauche, vous l'avez vu le morceau en or? Oh ouais. J'ai les yeux de partout, c'est bien. Ici, regardez-moi ça. Ce morceau brillant. C'est quoi? Ah, c'est un petit morceau du M10, la pièce numéro 2. Ça, c'est bien, bien comme il faut. C'est bien, 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 bien. Bien, bien, voilà, hein. C'est bien, bien, bien. Faut quand même que... Avant de faire le beau à récupérer mes pièces, faut quand même encore que je récupère des balles. Parce que ça, là, je vais vraiment être en manque. Alors ça c'est bon. Et lui c'est pas bon. Faut que je mette plein d'headshots. C'est vrai que les headshots c'est une des seules parties où on peut espérer quelque chose. Sans utiliser trop de balles. Parce que sinon après oui c'est vrai que. Je peux pas dire mais ça commence à coûter cher. Alors un headshot là. Aïe. Alors toi tu prends un headshot, toi tu prends un headshot. Regardez ce qu'on va faire. Shoots dodge. Oh ouais, alors ça c'est énorme. Oh ouais, belle. Vraiment bien joué.
On va récupérer cette arme ici. On va en avoir besoin. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va chercher un morceau en or. Voir s'il n'y a pas quelque chose en bas. Ou dans les rangs, ou je ne sais quoi. Ou. Non, j'ai pas vu quelque chose là-bas briller sur un escalier non plus, non. Non, je crois pas. Bon, c'est pas grave. Pas comme toi, on a plus de. Étole-toi. Il y en a un autre. Pa-pa-pa. Pou. Pou. Oh, la balle, elle a ricoché contre le mur avec. Regardez comment il se viande l'escalier, quoi. Il en met partout en plus. Ça, je trouve vachement bien fait que tous les mecs ils tombent comme ça, comme des merdes. Mais vraiment, ils stolent vraiment comme des merdes, hein. Faut pas dire autrement, ils stolent vraiment comme des grosses merdes. Looks like a VIP lounge or something. I'm gonna check it out. Ah oui, là j'arrive à cette fameuse salle, putain. Alors là, c'est sûr que dans cette salle, il y a une pièce en or. Je sais pas où, mais il y a une pièce en or quelque part. Merde, j'ai tiré comme un coup. Alors, 1, 2, 3. Oh là, j'ai eu chaud à mes fesses là. Je peux pas dire, mais 10 minutes passées en dessous du dog. Hein. Ça non plus, hein, vous l'avez pas vu, je vous le garantis. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup ce truc. J'adore utiliser le dog là, je sais pas comment ça s'appelle exactement. C'est vrai que j'adore utiliser ça. Je sais pourquoi, mais c'est vrai que. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Merde. Il est là, je l'avais pas vu. Ça, c'est juste une cabine à trophées. Ah ouais, non, là, y'a rien. C'est bordel. On va retourner un peu avant. Peut-être que on va découvrir des choses. Ce serait bien, même d'ailleurs, qu'on découvre des choses. On récupère des balles, ça, sans refus. Un petit peu de balles, non. MP3, MP, MP. MP5 course, mais elle est pas si courte que ça, les MP5, mais bon, c'est pas grave. Oh, oh oui, on a le M10 en or, magnifique. Là, on a un peu d'antalgique. En fait, si on cherche vraiment bien, on manque jamais d'antalgique. Si on cherche pas, franchement, on va manquer souvent d'antalgique. Je vais examiner mes mémorials s'il vous plaît. Merci. Parce que quand c'est en grisé, je peux pas examiner, c'est chiant. Alors quelle heure il est? 38. Oh, on a fait que 8 minutes, c'est pas énorme. Là on n'a pas avancé beaucoup. Enfin on a avancé quand même, hein. On veut pas dire on n'a pas avancé beaucoup. On n'a pas avancé des masses, mais on a avancé. Dès que nous on pourra aller voir l'autre sniper. Pardon, excusez-moi. Dès qu'on pourra aller voir l'autre sniper. Ça fait pareil. Nope. Just people shooting at me. Our surprise guest brought a lot of friends. All right. In the upper stands. Alors là, je vais essayer de pas mourir comme au premier épisode. La première fois que je l'ai fait plutôt. C'est vrai que j'étais mort plein de fois, c'était bien chiant pour ceux qui. Enfin, ça aurait été bien chiant pour ceux qui regardent. Et bon, maintenant j'ai acquis de l'expérience. Du level aussi. J'ai même plus besoin de me cacher. Là, ici. Oh là là. Maintenant, ce qui est bien, c'est que maintenant, je fais ça, mais dans une simplicité extrême. Merde, j'ai perdu de la vie quand même. Ouh là 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 là. C'est quoi, on dirait un Shintok. J'ai un jaune au cul. Non, là il a. Ah ouais, la lunette du barrette, nickel. Plus qu'une. Eh, j'ai trouvé 5 pièces en or quand même. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il m'en manque plus qu'une. Hein. Plus qu'une et j'ai terminé. Alors la dernière, je vois pas trop où elle pourrait être. On va chercher par ici. Tant pis, hein, on perd un peu de temps, mais c'est pas grave. Oui, mais arrête de râler, 2 minutes, je cherche, oh là là. Ah ouais, non mais d'accord, oui c'est pas, d'accord, bon c'est pas grave. C'est pas grave, on a nos pièces, on n'a pas besoin d'aller les récupérer normalement.
toute façon, c'est bon, hein, on va faire un peu. Sauf si je fais ça. Voilà, ça va rien faire. Alors toi. Eh ben putain, j'ai du mal, hein. Il y en a encore là. Oh non. Attends, on va voir. Eh si si si, il y en a encore. Ah ouais, putain, il est monté là-haut. Méchant. Allez, descends ton trou avant que tu viennes te chercher, méchant. Ah, je vais devoir y aller. Parti, hein. Mais voilà. Allez, vas-y, 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 récupère-le. Putain, il aurait pu le tuer quand même, hein. Putain de mauvais. Et là, en fait, faut vraiment que je me bouge le cul parce que sinon il va me ken. Alors, j'ai pas envie. Mais non, et en plus, le problème, c'est qu'il court, comme un... comme une mamie, ce mec-là, ouais. Ah, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors déjà on va ken, on va niquer celui d'en haut. Parce que moi je sais déjà où les mecs ils se placent, c'est ça qui est bien. Regardez, au ralenti. Headshot. Le deuxième, au cas où. Voilà, double trou. Une non, plein œil et une pleine joue. Nickel. What about the kid with the money? I don't know. He must be still in this section. Wait. Hang on. What's happening, Passos? Shit. The whole gang, I'm ahead of my way. I'm almost out of ammo, bro. I'm making a run for it. All right. Try to clear you some space. Allez, c'est parti. Je vais utiliser le barrette. Alors, le barrette, vous allez voir que quand même, il y a quelques effets sympathiques. In, enfin, comment dire. Y a pas les bras et les jambes qui se décrochent, hein, mais c'est vrai que ils ont essayé de, quand même de faire un truc un peu réaliste. Bon, pas à la sniper rate, mais quand même, y a quand même, c'est quand même bien fait. On peut le dire, c'est quand même pas mal. C'est pas bon, c'est pas voilà, c'est du rockstar, hein, mais c'est quand même pas mal. Voilà, et regardez, si on tire dessus, bim, voilà, faut tirer un peu sur avant. Voilà, je suis pas très très fort. Alors là, ouh, direct dans le cou, le mec il peut plus respirer, c'est nickel. Alors on va essayer de pas de mourir là, voilà, c'est comme la première fois que j'ai filmé. Oh ouais, alors moi j'adore faire ça. Regardez, j'adore voir la balle arriver au ralenti comme ça. Bim, je sais pas où ça va lui taper dans l'arme. Ça a transpercé l'arme carrément. On va dire que le... c'est... voilà, c'est un peu comme si c'était transparent. Deux en haut. Voilà. Toi, tu meurs. Toi. Tu meurs tout. Et toi, t'es mort. Oh ouais, ça c'est énorme. Oh. Oh, headshot. Bon allez. Il reste plus que quelques... non mais ça, ces portes elles sont déjà verrouillées, ça sert à rien. Allez allez, passos, allez allez, passos, cours cours cours, bien, il y a eu de l'inc 5, 50 victimes au sujet de sniper. Allez, toi t'es mort, toi t'es mort. Ok, alors Lucy, lol s'il ne meurt pas, attendez, si je tape. Ah ouais, même en plein milieu... okay. Ah ouais, mais là j'ai tiré dans la tête. En fait, j'aimerais bien voir ce son. Ah oui, ça ne tue pas. Oh, headshot. Là, je vais mettre. Ah ouais, ça passe comme dans du beurre en fait. Il sert strictement rien alors que j'ai des pare-balles.
Regardez là, ça, c'est énorme. Mais direct dans ses balls. Oh, headshot après. Dans les balls et une headshot, ça c'est bien. Clear, Max. Damn, bro, that wasn't fun. Allez hop, ça c'est bon. Il est 45. Je pense que pour un quart d'heure, on aura terminé. Je vous mets ça après, ça va être bien. Comme ça, ça sera fait. Je suis content, je l'ai fait. On a fait le plus gros là. Il ne reste plus qu'un sniper à tuer. Mais bon, c'est rien. Franchement, c'est rien. Par contre, de réfléchir un peu où pourrait être la dernière pièce si je l'ai pas loupé, bien sûr. Et franchement, je vois pas. Je vois pas du tout, mais c'est pas grave. Ouh là là, alors là, il a eu chaud, fait ça. Allez, petit Max, quand tu veux. Painouni. Encore, c'est pas la mission la plus chiante. Vous verrez, la mission la plus chiante, ça se passe là dans un cimetière, elle est vraiment pourrie. Mais bon, après, c'est bien. Ils ont quand même fait une grande diversité de choix au niveau des environnements, et je trouve ça bien. C'est bien poussé. Ils ont fait quelque chose de pas mal, on peut le dire, ils ont fait quelque chose de pas mal. C'est bien parce que je le répète 8 fois. Area de acceso restrito. Donc area, c'est endroit, enfin zone à accès réglementé ou restreint. Place was like Fort Knox. Hey, Passos. Passos. I've got you on the security camera. Where are you? I don't know. Somewhere in this goddamn stadium. Jesus. What's going on there? I think the guys that came to rob us are coming to finish the job. Remind me again, who are these fine gentlemen? Some kind of paramilitaries, I don't know. Paramilitaries? Right-wing guns for hire, ex-cops military, I don't know. Ah oui, le mec à gauche, celui qui a le flingue et qui a une espèce de gueule d'arabe là. On peut le dire, hein, c'est pas méchant. C'est un personnage important. Enfin, il a pas vraiment une gueule. Non, il a plutôt une. On va dire qu'il a plutôt une gueule de latino quand même. Hein. Pas trop, il a pas trop. Non, il est plus. Il est un peu plus foncé quand même. Il est un peu plus. Là, sa peau est quand même un peu plus foncé. Lui, vous allez voir qu'il est quand même important dans le jeu. Je vous le dis déjà, c'est pas grave, ça vous spoil un peu, mais bon. Il est important quand même. I had a hole in my second favorite drinking arm. And the only way we were likely to get Fabiana back now was in installments. Whoever our uninvited guests were. Bon, alors si la pièce se trouve là, ça va être vraiment chaud parce que. Moi qui l'ai caché par là. Oh, ça aurait été bien. Ah, elle est là-bas. Alors, est-ce que je peux me faire défoncer par le mec? Je sais pas. Je vais essayer de faire rapidement. Allez, 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 cours, cours, mon petit, cours, cours, allez, allez. Oui. Oui, 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 on a toutes les pièces de ce jeu, magnifique. Ouais, je l'ai vu, mais je peux pas l'atteindre. Là. J'essaye, mais je peux pas, c'est pas possible. J'ai déjà essayé, mais ça marche pas. Bon, c'est bien. J'ai déjà toutes les pièces en or. Là, il y en a encore un. On sort headshot. Et peut-être que j'avais réfléchi. Je vous ferai peut-être une soluce pour les endroits où il y a les armes en or, où il y a les endroits en or. Déjà, jeuxvideo.com l'ont fait. Je voudrais vous faire sous forme de vidéo. Prenez d'ailleurs peut-être les images de jeuxvideo.com pour certaines vidéos que j'aurais pas faites, pour certains endroits, tout ce que je n'aurais pas tourné, tout ce que je n'aurais pas trouvé. Tout ce que je trouverai, bah, je vous ferai une petite vidéo. Hein. Ça peut être sympathique. Un truc en série, un petit truc comme ça. Ça peut être sympa. J'y avais pensé déjà. Bon, là, on va éviter de faire un message, ça serait con quand même. C'est vrai que là, pendant le s'il m'a dit que c'est bien parce que je peux en profiter pour lire des messages.
headshot, mon petit. J'ai oublié toutes mes balles. Nickel. Allez, on saute, c'est parti. Et là, on va lui refaire les parties en douille. Regardez. Ouh là 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 là, je lui ai fait des gruyères. Je lui ai tiré toutes mes balles. Tant pis. De toute façon, ma mission est terminée, donc c'est bien. Je suis content, je suis heureux de moi. Bon, c'est bien, on aura trouvé toutes les armes en or. C'est nickel, je suis content. C'est lui, ce mec-là, là, à gauche. Oh, je sais pas qui c'est, je m'en rappelle plus. Sure, Trouble finds us the same way you found me. Slumped in a bar, drunk on self-pity. Bon. Et eh ben voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas. Moi, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. On se retrouve très bientôt pour la suite de Max Payne et pour d'autres vidéos. Portez-vous tous très bien et à bientôt. Ciao, ciao tout le monde !